100% Barça, le podcast 100% Blaugrana du journal L'Indépendant. Barça, Barça, Barça. 100% Barça, mais c'est un podcast. Ce jeudi 2 mars 2023, le FC Barcelone se déplace à Madrid pour un classico dans le cadre des demi-finales allées de la Coupe du Roi. L'enjeu est important, accéder à la finale et surtout se rassurer après l'élimination en Europa League et la défaite en championnat contre Almeria. Et le match ne va pas proposer grand-chose jusqu'à la 26e minute, avec une mauvaise relance de Camavinga. De Jong récupère le ballon, le glisse à Caissier, qui pénètre dans la surface, tire et Courtois contre du bout du pied, in extremis. Mais le ballon rebondit dans les jambes de Militao, qui marque contre son camp. Le but sera refusé dans un premier temps pour hors-jeu de Caissier, puis finalement validé par la VAR. 1-0 pour les Blaugrana, un peu contre le cours du jeu, mais le Bernabéu est un peu refroidi. Et le reste du match ne va pas s'améliorer. Le Real Madrid va faire le pressing mais sans efficacité et en dépit d'arrêts de jeu bien plus longs que prévu, n'oublions pas que nous sommes au Bernabéu, les Madrilènes ne pourront pas égaliser. 1-0 score final pour les hommes de Xavi, rien n'est vraiment joué, la demi-finale retour se jouera le 5 avril au Camp Nou. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.